Premièrement, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023 ainsi qu'à vos proches. Je ne vais pas vous demander quelles sont vos nouvelles résolutions ou même vous dire que la mienne sera de sortir une vidéo par semaine. On sait tous qu'on a du mal à tenir ces nouvelles résolutions. En revanche, je peux vous dire que la chaîne n'est pas laissée à l'abandon. Faut juste que je trouve le temps pour jouer et créer du contenu. Bref, pour la première vidéo de 2023, je vous propose une sortie sur le très bon Radiant Note qui s'améliore à chaque mise à jour. Et aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle opération. Je suis en compagnie de Wolf, Guillaume et Ran. En gros, avec le 2 Rima SWAT. Bon visionnage. Petit briefing. Un ancien analyste de l'USIA a un mandat d'arrêt contre le meurtre présumé de 5 policiers dans le comté de Macad, dans le Grand Los Sueños. Gérard Scott, 55 ans, a attendu devant le département de police d'East Macad avec un Mini 14 chargé après avoir incendié une voiture dans la rue devant le département. Il a ensuite tiré sur des agents alors qu'il tentait d'éteindre le véhicule en panne. Des témoins dans la rue ont signalé son véhicule alors qu'il s'éloignait. Ok, on a affaire à un taré. Donc on va essayer de neutraliser Gérard. Donc il est tout seul. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Yo les marsouins, Tipex est en live. Ah bon? Ça alors? Putain, on a reçu une annonce. Merde. Putain, on se croira dans Grande Branche là, du coup là. Ah, carrément. Il vit carrément dans le fin fond de la forêt. Et on n'a pas de négociateur en arrière là? Non, on a personne, hein. Ils nous ont envoyé nous seulement. Il y a des collègues qui sont fait buter juste avant nous. Alors, ne faites pas de feu de camp. Ok. Un négociateur, je l'ai entre les mains, il s'appelle MPX. Ok. Wolf, passe devant. Quoi? Yes sir. On a Gérard qui est un peu énervé à l'intérieur. Qui ferme la marche? J'ai où? Trois entrées. Bah vas-y, je ferme. Je sais pas du tout, Wolf, on n'a pas eu de briefing. En cas où j'ai la caméra, hein. On n'a pas eu de briefing du tout. Bon, ça, je vais te le dire, t'as... Donc l'escalier, t'as trois niveaux. T'as une entrée en bas, un autre niveau, là. Ok. Ensuite, t'as l'escalier qui te mènera au... ce qui est le premier étage. Ensuite, t'as deux entrées derrière, une au premier niveau et une au deuxième. On passe où? On va passer au rez-de-chaussée, hein. C'est quoi, c'est l'entrée en face là? Pas de chaussée. Ouais. Je suis en quoi là? Coup par coup, non, auto. Hop, coup par coup. J'ai pas vu s'il y avait la présence de civils, je crois pas, hein, mais bon. Ah, j'entends causer là. J'ai des voix. Gérard! Es-tu là? Gérard, fais-nous un signe, donne-nous un signe. Tu peux passer la cam, Guillaume, s'il te plaît? Vas-y. Ran, tu tiens les 6? Ah, il y a un piège. Ah, ça merde. Me donne un fil. Bon, ok. Tu peux le couper là, de là où t'es? Ah, il y a une porte qui s'est fermée là, non? J'ai son véhicule en feu à l'ouest. Ok, c'est bon, j'ai coupé un véhicule le fil. En feu. Ouais, c'est là où il y a nos camarades qui se sont fait buter. Vas-y, check la cam. J'ai rien. Derrière la porte, il n'y a rien. J'ai rien du tout, par contre on aura, une fois qu'on a passé la porte, on a une seconde porte sur les 11h. Sur la droite on a rien du tout, c'est un mur, et on a la pièce qui part sur la gauche et face à nous. Ok, c'est une sorte d'entrée quoi, ça? Ouais, c'est ça, donc la pièce elle continue directement sur notre gauche, okay. Directement en face de nous, et sur les ouais, sur les 11h il y a une porte, hein, par contre. Okay. Et là elle est fermée. Wolf, tu passes à gauche, je te suis. Yes, sir. Guillaume, tu tiens le midi? Ouais. Tiens, Ran, tu peux ouvrir la porte? Ouais. Bon, sinon, ça aurait dû être Guillaume. Mais... On va s'organiser, les amis. Ouais. Bah, j'ai entendu gueuler, j'ai l'impression qu'il est à l'étage. Hein. Mais bon. Gérard! Il y a une porte là. Effectivement. Moi, je fais ok. J'ai une autre porte. Oh putain, c'est quoi ça? C'est un labo, quoi. Il est énervé. Alors, hands up! Gérard! Vas-y, progresse Wolf. J'ai la porte moi. On a plein de portes là. Hein. Plein d'ouvertures. Par contre, check. Progresse, moi j'ai pas grand chose. Hein. Non, mais reste là ouais, devant la porte. Vas-y, Guillaume, regarde celle-ci là que j'éclaire là. Ouais. Ça pue ici. Ils sont un peu abusés. Qu'est-ce qu'il fait ici, là?
Ouais, ce bordel. Qu'est-ce qui... Ah oh. C'est un chien, ça? Un lapin? Dégueulasse. Et ses promenades en forêt, là, c'est un chasseur, lui, là. Guillaume, t'as regardé, là, derrière la porte? Non. Tu m'as dit de la tenir, donc je la tenais juste... Ah non, non, juste, ouais, le check avec la cam, okay. Ici, là, sur celle-ci. Je sais pas ce qu'il fabrique, lui, là. Attends, ça a dû bugger. Ah, voilà, c'est mieux. On a une pièce, pareil, avec des produits chimiques et tout. Ouais, j'ai un visuel ici, là, sur le côté. Je vois une lampe, mais je crois que c'est une des nôtres qui doit passer c'est moi, à travers c'est la moi, porte. C'est moi. Non, mais il y a une ouverture, en fait, sur le côté, là. Ah ouais, ok. Mm. Ouais, c'est un espèce de labo. Ok. Et, bah, vas-y, on va aller voir à l'intérieur. Wolf, tu viens? Ah, comme il faut, donc... Gérard, il gueule plus, hein. Y'a pas de piège, hein. Non, bah, j'ai pas réussi à lever la caméra comme il faut. Ok. Vas-y, on va, le, bon on va l'ouvrir doucement. Ah, fais gaffe, hein, quand tu l'ouvres. Ah bah... C'est que j'étais pas du bon côté, je pense. J'entre avec vous. Ah bah, je m'entends en mission, tiens. Énorme. C'est un fou, ce mec. Je sais pas ce qu'il fait, là. Il y a une sœur... Ah, putain, c'est quoi, déjà? C'est c'est quoi, comme gaz? C'est du poison, là, tout ça, là, ce qu'il fait, là. Ouais, là, il y a une liste il de trucs... du gaz, du ricin, là. C'est quoi, en français, déjà? Je sais pas ce qu'il fait, lui, là, mais... Ça va? Du sarin, oui, ça doit être ça, oui. Un taré, oui. Non, c'est quoi ça? Sur les anneaux. Je peux tourner un bouton sur on. Il est en train de faire des. Il est en train de faire. Il est en train de faire de la ricine, il est en train de faire des armes en bactériaux. Je vais prendre devant la porte. Ah, lui, c'est un gros taré. Hein. Il est très dérangé, Gérard. Hein. Ah, Gérard, il a des problèmes. Hein. J'ai rarement vu ça. Hein. Ah, il fait des tests sur les animaux. Droite, ouais, il fait des tests sur les animaux. Ah, vas-y, Wolf, on va à la porte à midi là. Un taré, lui. On a de quoi fermer des portes, les bloquer. On a des cales. Ah, j'ai pas pris des wedges. Ah, je crois pas que j'en ai. Comment ça fonctionne déjà, je sais même plus. Bon, je non, j'en ai pas. Ouais. Vas-y, check cette porte, Guillaume. C'est le Wolf et... S'il te plaît. Ouais. Maintenant, ils c'est le Wolf à... Ils ont tendance à contourner maintenant, donc c'est bien de verrouiller les portes derrière. Ok. En fait, fallait nous dire de prendre un masque à gaz pour venir ici, hein. Clairement. Hein. Ok, on arrive dans un couloir où il y a un escalier juste sur notre droite. Mais j'arrive pas à voir si la porte est piégée, j'arrive pas à lever la caméra. Bon, on va ouvrir un tout petit peu. Ah tiens, il y a un masque à gaz. Vas-y, tu sais quoi déjà pour voir un petit peu. Pas de piège. Ren, passe derrière Wolf. Non, ça a l'air safe, j'ai rien. Vas-y, je vais ouvrir. Prêt? Vas-y. Vas-y. J'ai l'escalier. Vas-y, suis-le, Ren. Porte à droite, ouverture à gauche. Porte fermée à droite? Ok, passe à gauche, Wolf. Suis-le, Ren. Vous dites quand vous êtes en haut parce que je suis resté en bas. On est monté, Guillaume. Porte au fond du couloir, ouverture à gauche. On va là où c'est ouvert, pour l'instant. On verra après, on s'occupera des portes fermées. Je vois que là. La grande pièce. Ouais, ouverture à gauche. Oh putain, ouais. Et ouverture en face, porte à droite. Escalier dans l'axe. Ah bah, c'est ça que tu disais le deuxième niveau là. C'est le bordel ici. Ok, tiens Guillaume, je prends les 6, check la porte droite, ici là, ouais. Back. Wow, merci le bouclier, oh putain. J'en ai pris une. Ok, la porte elle donne sur l'extérieur, sur un balcon. Ok, on s'en fout alors pour l'instant. Il y a un escalier qui redescend, ouais. Au sol. Il y a encore un mec, hein. Gérard, il est pas tout seul, hein. Oui. Ok. Vas-y, je reprends les 6 si tu veux. Vas-y, ouais.
Ça parlait à gauche, alors je sais pas s'il est même niveau ou au-dessus. Vas-y, Wolf. Vas-y, je vais où, chef. Je suis juste derrière toi, hein, avec Ran. Ouais, mais je vais où? Ok. Y'a quoi à gauche? Gauche, on passe. À gauche, 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 vas-y, gauche. Il y a une pièce à gauche. À midi, là. Ok, j'ai une porte à gauche. Certainement celle qui était devant l'escalier, ouverture à droite. Guillaume, tu colles? Ouais. Ouais, je garde les 6. Ran, Wolf, vous avez tout là? On a poussé, on a traversé. Ouais. Ok. On est face à une ouverture. Parce que avec Guillaume, on est resté dans la pièce. Hein. Je sais que j'ai une porte à côté là. Vas-y si tu veux. Oh, ça donne dans une pièce. Pareil, il y a des écritures après le mur et tout. On dirait une salle de bain. Il y a des WC avec. Mais... Vas-y, viens. On recolle sur vous. Ouais. Il y a une porte à gauche là aussi. Et il y a des portes. Là. Hands up now. Je check la porte là. J'ai l'impression que ça parlait à la porte. Ouais, 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 possible. Ah non, c'est la porte qui monte du couloir, ça. Tu sais, en haut de l'escalier. Oh putain, c'est quoi ça? Ah oh, bah. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est la porte qui avait en haut à droite de l'escalier quand ouais, on est monté. Vas-y, viens, Guillaume, viens. On est derrière vous, Wolf. On peut voir l'escalier à gauche normalement. Oui. Ouais, faut qu'on va filer au sol. Faut qu'on check qu'il soit bien. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, passe. Il y a un corps juste à notre droite là. Un corps? Ouais. Ah, ok. C'est le mec qui a abattu. J'y vais, là, je vais check le corps. Droite, là. Get down and show me your hands. Ok, je lui ai mis les surflex, c'est bon. Elle est où son arme à lui? Il y a une porte là sur la gauche dans les pièces. C'est bon, j'ai neutralisé. Y'a quoi, Wolf? Vas-y, avance, regarde sur ta droite. Une ouverture. Ouais. Salle de bain. Encore une ouverture avec une chambre, a priori, je vois. C'est quoi, un lit, un canapé, je sais pas. Vas-y, Guillaume, regarde cette porte là. Donc là, normalement, il y a une salle de bain. Enfin, une chambre quoi. Pour la porte, hein. Ah, c'est la pièce que je te disais, en fait, c'est une salle de bain. Et à l'autre porte était clear et ici on, aussi. On n'a rien à récupérer, hein. Non, faut juste appréhender Gérard. Ok. Ouais. Donc il y a rien à ramasser. Tu vois personne dedans. Non, non, non. Et de l'autre côté, il y avait personne aussi, donc normalement okay. C'est safe. Quoi. Vas-y, on va continuer par là. Là. Wolf derrière toi. On va où? La porte là. Passe un coup d'œil Guillaume derrière cette porte. À midi pour Wolf. On arrive à l'extérieur là. Ok. Sur un balcon, ouais, à l'extérieur. Ok, c'est l'accès. Ok, bah on va fouiller alors. On va pas sortir tout de suite. On va ouvrir toutes les portes qui sont dans ce bâtiment. Il y avait pas un escalier et qui montait? Il est là l'escalier. Exact. En fait, faut pas qu'on le bute, hein, Gérard. Si on peut juste le neutraliser, ça serait mieux. On se permet là. T'as un taré, mais il faut qu'on lui pose des questions. Ils peuvent pas sortir par les aérations qu'il y a par terre. Je crois pas. Ça, il faut qu'il y en ait un qui me colle parce que c'est ouvert derrière. Vas-y, Ran. Au-dessus de nous là. Okay. Moi je pourrais que je checker devant et un peu sur la droite, par contre au-dessus de nous. Ok, je vois. Vas-y, vas-y, avance. Je te suis, Ran. Regarde devant. Je check derrière. Regarde droite, gauche, porte en face. Les trois c'est clear. Je garde le bas de l'escalier moi. Ok. Il y a une porte qui donne sur la terrasse qui est ouverte à droite. Ok. T'as une porte à ta gauche, Wolf? Ouverture à gauche. Vas-y, on va faire un bond à gauche. J'ai entendu, pour moi les voix de Gérard viennent de là. Hein. Get down and show me your damn hands. Vas-y, Ran, suis-le. Porte extérieure ouverte. Ouais, j'ai vu. Qui donne sur la droite. Fais gaffe à la porte Guillaume à gauche. Il y a une porte Guillaume à gauche. Porte sur la gauche ouverte.
Putain, l'ambiance elle est incroyable dans cette map. Vois sur la droite. À droite. Oui. Putain, on fuir. Faut que je me soigne, faut que je me soigne. On a pas les rats. Prends la tête. Qui est blessé? Ah putain, c'est Ran. Putain, Gérard. Gérard, t'as merdé. On voulait pas te buter, Gérard. Vas-y, chope-le. Suspect down. Putain, il a un ghillie en slibar, quoi. Je te jure. Putain, elle est où son arme? Comment tu l'as... Allez, là. Ah là 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 là. Ah dommage. Et ben il m'a allumé à travers le mur. Ah il m'a fait mal aussi, t'inquiète. Hein. Ah Gérard. C'est l'étagère à côté de vous qui m'a sauvé. Oh, c'était bien sympa pour une première journée.